Cette émission vous est présentée grâce à la participation financière des Caisses Desjardins de la Basse-Lièvre et du Cœur des Vallées, qui se distinguent par leur nature coopérative et leur implication au sein de la communauté. Jeudi 25 avril 2013. À Infomag ce soir, un employé du Canadian Tire s'en tire bien. Surplus à la ville de Gatineau, saine gestion ou surtaxe. Full Action fait bouger les jeunes et dénoncer la publicité sexiste. Bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue à Infomag, votre magazine d'information locale. Bien, un employé du Canadian Tire du secteur Buckingham l'a échappé belle mardi dernier alors qu'il tentait d'intervenir dans un cas de vol à l'étalage. Un peu avant 18 heures, un gérant aurait remarqué qu'une femme était en train de changer des étiquettes sur certains produits. Lorsqu'il a intercepté la suspecte, celle-ci a pris la fuite à bord d'un véhicule automobile pour ensuite heurter légèrement un employé du magasin. Selon ce que TVC Basse-Lièvre a appris, la dame était soupçonnée depuis longtemps de faire du vol à l'étalage au magasin de Buckingham. À l'arrivée des policiers, elle avait déjà pris la fuite en direction de Turceau. Les employés ont cependant été en mesure de fournir une bonne description de la suspecte aux policiers, en plus de son numéro de plaque d'immatriculation. Selon le service de police, la suspecte a été identifiée et l'enquête se poursuit pour déterminer si des accusations vont être portées. La ville de Gatineau a annoncé un surplus budgétaire de près de 7 millions de dollars à l'issue de l'exercice financier 2012, un surplus qui représente environ 1,5% du budget total de la ville. Des revenus de droits de mutation supérieurs aux prévisions, mais également une augmentation des constats d'infraction émis par les policiers expliquerait une partie de ce surplus qui est de 300 000 $ supérieur à ce qui avait été anticipé en novembre dernier. Si certains analystes politiques ont laissé entendre que ces surplus démontrent que la ville surtaxe ses citoyens, le chef d'Action Gatineau et conseiller de Buckingham, Maxime Pedneau-Jobin, croit au contraire que la ville fait plutôt preuve de saine gestion. Donc, on va toujours avoir un surplus, on le planifie, le surplus. C'est un surplus aussi de 6 millions sur un budget de 520 millions. Là, c'est un peu plus qu'un pour cent du budget. Pour moi, c'est une façon prudente de gérer les fonds municipaux. On a des projets qui s'en viennent qui vont coûter cher. Par exemple, le redéploiement des bibliothèques. On sait qu'il y a des investissements dans une bibliothèque centrale à faire, mais aussi dans les bibliothèques locales. Pour moi, ça serait une utilisation intelligente. Ça fait des années qu'on sait que notre réseau a besoin d'être retapé. On sait qu'à Bowater puis à Elmer, on a besoin quand on met un livre, on est obligé d'en enlever un parce qu'on n'a plus de place. Et c'est le service municipal, la bibliothèque, qui est le plus utilisé à Gatineau. Ça fait que pour moi, de mettre ça de côté pour un projet comme ça, là, je pense que ça serait intéressant. L'homme d'affaires Tony Accurso, qui a été arrêté en avril 2012 suite à une enquête de l'unité permanente anticorruption et qui fait actuellement face à 6 chefs d'accusation, notamment pour fraude, complot et abus de confiance, ça serait porté acquéreur au début du mois de 2 terrains à Gatineau. L'achat de ces terrains auprès de la compagnie Ultramar s'est fait en toute légalité. D'ailleurs, un de ces terrains pourrait avoir déjà été revendu. Malgré tout, le chef d'Action Gatineau soutient que la ville va devoir faire preuve de vigilance si elle ne veut pas se retrouver au cœur d'histoires de corruption. C'est-à-dire que toutes les personnes qui font l'objet d'allégations comme celle-là, il faut qu'on soit prudent. Maintenant, le gouvernement a mis des mécanismes en place où les villes peuvent demander un avis. À savoir si est-ce qu'on devrait faire affaire avec cette entreprise-là, est-ce qu'ils ont été condamnés, est-ce qu'ils ont une feuille de route qui est correcte. Puis pour moi, on doit être intraitable. On voit ce qui se passe là, avec la commission Charbonneau, là, des bandits, il y en a. Faut qu'on se donne des outils, il faut qu'on utilise ce qu'on a pour avoir en fait une tolérance zéro pour ça. Des milliers d'étudiants de l'Outaouais ont participé hier à l'événement Full Action, une initiative qui est née l'an dernier dans la Haute-Gatineau. L'action vise à encourager les jeunes, mais également les communautés en général, à adopter un mode de vie actif et à manger sainement.
Pour l'occasion, les élèves de plusieurs écoles ont dansé au même moment la même chorégraphie sur une musique composée par Mister Valère. À Buckingham, les élèves de l'école Saint-Michel se sont rendus à l'école Duboisé pour danser, alors que du côté d'Angers, il était prévu que les élèves des écoles aux 80 et du Sacré-Cœur se rejoignent, mais on a plutôt choisi de danser dans sa cour respective en raison de la température incertaine. Quoi qu'il en soit, l'activité a connu un vif succès, comme nous l'explique l'initiatrice de l'événement à l'école du Sacré-Cœur, Chantal Mongeon. Bon, on a eu écho de cette activité-là et puis on a trouvé ça le fun parce qu'on prend beaucoup l'activité physique, la santé des jeunes, ça fait partie de nos valeurs éducatives. Puis l'école aux 80 n'est pas loin de la nôtre, donc on trouvait ça intéressant de faire un rassemblement des deux écoles. Malheureusement, à cause de Dame Nature, là, on n'a pas pris de risque, il annonçait beaucoup de chances de pluie, mais on le fait conjointement. Et c'est sûr qu'on prend une activité physique, les jeunes aiment bouger, puis on trouvait que c'était une belle façon de se joindre au mouvement régional puis de participer à cette belle action. Donc, on a vu les jeunes qui sont allés d'une chorégraphie, et je pense que c'est la même chorégraphie là, qui a eu lieu un petit peu partout à travers le Québec. C'est la même. Sur le site de Wix, on pouvait la visualiser, l'apprendre. Donc, c'est la même chorégraphie qui était dansée à la grandeur du Québec aujourd'hui. Par ailleurs, c'est hier que se tenait la journée sans maquillage un peu partout au Québec. Cette journée qui est née de l'initiative de Canal Vie et du magazine Elle Québec a pour but de sensibiliser les femmes à leur beauté naturelle. Les femmes sont donc invitées à vaquer à leur occupation sans artifice pour 24 heures. Eh bien, la tendance a été suivie jusque dans les écoles de l'Outaouais où les filles commencent à se maquiller de plus en plus tôt. À nouveau, l'enseignante Chantal Mongeon. Bien, souvent, les stéréotypes, la beauté, il y a beaucoup de... Les jeunes sont souvent amenés à rapidement vouloir se maquiller, changer leur image. Donc, c'est des élèves de sixième année qui sont venus me voir et qui ont dit « on aimerait participer à ça parce qu'on est belle au naturel et on n'a pas besoin de se maquiller nécessairement beaucoup pour se mettre en valeur. » Donc, encore une fois, c'est des belles valeurs à transmettre à nos enfants. C'est une éducation à faire puis on trouvait que c'était un beau mouvement, fait qu'on a voulu se joindre les deux activités puis participer à ça. Est-ce qu'on voit de plus en plus de jeunes de sixième année qui se maquillent au quotidien pour venir à l'école? Oui, les lignes sous les yeux, le noir, le mascara, les rouges à lèvres. Puis on voit ça beaucoup dans les photos d'école. Les jeunes arrivent à l'école maquillés, ça les représente pas à tous les jours. Fait que moi, j'encourage beaucoup ça, de ne pas se maquiller trop vite, puis surtout de faire attention aux produits qu'on peut mettre sur notre visage, parce que c'est pas toujours des bons produits, puis c'est pas bon pour la peau. La Maison pour elle des Deux-Vallées du secteur Buckingham se joint à une coalition nationale pour manifester son opposition aux publicités qu'elle juge sexistes. En effet, la population de partout au Québec est invitée à dénoncer les publicités sexistes qui inondent, semblerait-il, de plus en plus les espaces publics. Soulignons que la coalition nationale contre les publicités sexistes a été mise sur pied dans le but de non seulement dénoncer ces publicités, mais également d'exiger leur retrait. Deux activités pour dénoncer ces publicités ont eu lieu dans la région au cours des derniers jours. Pour nous en parler, j'ai reçu la directrice de la Maison d'hébergement pour elle des Deux-Vallées, Myriam Houde, un peu plus tôt cet avant-midi, dans nos studios. Myriam Houde, vous travaillez à la Maison d'hébergement pour elle des Deux-Vallées. En fait, vous êtes la directrice et vous avez répondu à l'appel de la Coalition nationale contre les publicités sexistes qui ont tenu des actions tout au cours de la semaine. Dans un premier temps, si on prenait le temps de définir qu'est-ce qu'une publicité sexiste? Bien, en fait, c'est une publicité qui surutilise le corps de la femme, qui l'exploite, qui n'est pas toujours, c'est pas nécessaire d'utiliser le corps de la femme de cette façon-là. Souvent, on l'utilise comme objet sexuel. Évidemment, là, je vous entends parler du corps de la femme, et on sait que de plus en plus, malheureusement, le corps de l'homme est aussi de plus en plus exploité. Et je sais que vous avez fait des campagnes un petit peu partout, vous êtes présenté un petit peu partout. Ouais. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous êtes consciente que c'est pas maintenant seulement le corps de la femme qui est utilisé, mais aussi le corps de l'homme? C'est vrai que le corps de l'homme est utilisé, mais on s'entend que la majorité du temps, c'est le corps de la femme qu'on retrouve dans les publicités sexistes. À preuve, on a fait une activité dans les centres commerciaux de la région de Gatineau mardi, et sur 34 publicités qu'on a dénoncées avec nos post-it, il y en avait seulement deux
où l'homme était utilisé dans la publicité. J'aimerais qu'on prenne le temps peut-être de parler de vos post-its qui sont ceux-ci. Voilà. Les publicités sexistes, c'est assez. Alors, vous demandiez, vous invitiez les gens à poser des post-its comme ceux-là sur les affiches ou sur les publicités qu'ils trouvaient sexistes dans les centres d'achat. Absolument. Et on s'est même promené ici à Buckingham hier avec des publicités qui sont tout aussi choquantes, qu'on retrouve dans les revues à tous les jours qu'on peut feuilleter chez le médecin en attendant, chez le dentiste, dans les revues qu'on achète. Et je vous mettrai au défi de deviner le produit qu'on veut vendre. Je vous avoue que celui-là était assez particulier pour une barre de chocolat, effectivement. Une barre de chocolat. On a ça aussi où souvent on utilise des jeunes filles pour faire les publicités. Si j'enlève l'annonce, je ne suis pas certaine que la majorité des gens vont deviner qu'on veut nous annoncer des jeans. Pourtant, position sexuelle, c'est des jeunes qui sont utilisés. Mercedes qui utilise les seins des femmes pour vendre des coussins gonflables dans ses voitures. Je pourrais vous en nommer, là. On en a, nous, des paquets. On en fait des sensibilisations au quotidien. Donc, Le sentiment, par contre, qu'on a de plus en plus dans la société, c'est que les mœurs ont changé et que et c'est peut-être à tort qu'on pense que peut-être que les femmes acceptent de plus en plus justement de se livrer à ces jeux-là et que c'est de bonne grâce qu'on le fait. Ouais. Je ne suis pas certaine, moi, qu'on accepte. Des fois, les processus sont difficiles. Si on parle des publicités sexistes, c'est tellement complexe de juste se plaindre pour dénoncer qu'on s'y perd. On pense que les gens ne dénoncent pas, qu'ils se plaignent, qu'ils acceptent, qu'ils ne disent rien. Mais non, au contraire, c'est pour ça qu'il y a des coalitions, qu'il y a des semaines d'action nationale pour justement dire, arrêtons de dénoncer ici et là, mais faisons, mobilisons-nous pour que socialement, on prenne position et qu'on dise, hey, c'est assez. Ouais. Parce que je ne suis pas certaine qu'on accepte. C'est vrai qu'il y a des idées qui changent, c'est vrai qu'on évolue, mais encore, on traîne les conséquences du patriarcat. C'est pas acceptable, mais c'est ce qu'on veut laisser comme message, par contre. Mais si je voulais jouer à l'avocat du diable, je vous dirais que derrière toutes ces photos-là, il y a des femmes qui acceptent de se faire poser, qui sont suffisamment bien, peut-être, dans leur corps pour accepter d'être photographiées dans des positions comme celle-là. Oui, c'est vrai, ça prend des modèles, mais en même temps, c'est un travail, c'est quelque chose qu'elles vont faire, sont monnayées. Mais est-ce que ça rend ça plus acceptable? Non. Les impacts, quand les femmes voient ça à la maison, quand les hommes voient ça, quand les jeunes filles voient ça et les jeunes garçons, c'est que c'est acceptable et c'est un modèle qu'on leur offre. Et pourtant, moi, je suis maman de deux jeunes filles, là, puis c'est pas ça du tout que je veux qu'elles aient comme modèle, qu'il faut toujours être en position alléchante, toujours être en position sexuelle, que pour séduire. Combien de femmes se font faire les seins par la pression? Combien de femmes se font... On pourrait en parler longtemps, là, mais ça, c'est les impacts qu'on vit au quotidien. Il y a un lien à faire avec la violence que nous, on dénonce au quotidien. C'est pas plus acceptable. Et c'est un lien que vous faites facilement de dire, oui, on utilise le corps de la femme, on utilise le corps de l'être humain, si on veut. Mais de l'autre côté, il y a aussi beaucoup de violence. Vous vous retrouvez avec des maisons d'hébergement qui sont pleines à craquer. Absolument. Est-ce qu'il y a un certain lien à faire avec ces publicités-là? Absolument. Absolument, parce que c'est les images que reçoivent. Les femmes se convainquent que c'est ça qu'il faut qu'elles aient l'air de ça pour que plaire à leur conjoint. Le conjoint peut voir ça et dire, regarde, tu vois, tu as l'air d'un torchon. Toi, regarde, t'as-tu vu, c'est ça qu'il faut que tu fasses pour être belle. Il faut que tu sois soumise. Faut que tu sois, c'est le modèle qu'elles ont. Donc, souvent, ça va être une pression. Ils vont subir plus longtemps et jusqu'à temps qu'elles décident de dénoncer. Il y a un lien direct. C'est de la violence faite aux femmes utiliser son corps pour vendre des objets. Et dans l'action qui a été faite cette semaine par la coalition, on veut dénoncer, on veut mettre des... On a mis des post-it qui sont, cette année, beaucoup plus faciles à enlever. Oui. Pour, donc, on ne fait pas de dommages comme tels. Oui. Qu'est-ce qu'on souhaite, en bout de compte, réaliser suite à des actions comme celle-là? Bien, en fait, on veut sensibiliser la population, oui, sur l'impact, mais on veut aussi se rendre jusqu'aux entreprises, tous ceux qui vont faire le marketing, les sensibiliser à arrêter donc d'utiliser le corps de la femme, toujours comme objet sexuel. Oui, les hommes aussi, mais ce qu'on veut, c'est les sensibiliser, mais on veut aussi donner avoir un impact. Parce que toutes les actions qui ont été faites, plus de 26 000 post-it ont été remis jusqu'à maintenant au Québec. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut amener toutes les photos qui ont été prises, les compagnies qu'on veut dénoncer, on va toutes rassembler ça. Il va y avoir une dénonciation qui va être faite au niveau national. Regardez, il y a ce nombre de plaintes-là, ils vont former des plaintes. Et comme on sait que c'est le consommateur en bout de ligne qui a le dernier mot, peut-être que ces actions-là vont avoir un certain impact. Myriam Wood, merci infiniment. Ça me fait plaisir.
Alors bonjour, vous en avez peut-être entendu parler, cette semaine, il y avait la journée sans maquillage et justement pour l'occasion, je vous fais aujourd'hui une chronique sans maquillage et je rencontre Émilie Carrière du Centre Alpha Papineau qui ont décidé de participer eux aussi à la journée. Bonjour Madame Carrière. Bonjour. D'abord, parlez-nous un peu du centre ici, qu'est-ce que c'est la mission? Bien, on est un centre de formation pour adultes, mais ce qu'on fait, c'est les apprentissages de base. Nos matières ici, c'est la lecture, l'écriture, le calcul, puis la vie quotidienne. À travers ça, on fait des activités, on fait autant de l'académique que des activités pratiques sur l'informatique, la cuisine, de l'implication communautaire aussi. Donc, c'est ça. Nous, on est ici pour parfaire nos connaissances de base, continuer d'apprendre à lire et écrire ou de l'apprendre tout court. Donc, vous avez participé à la journée sans maquillage. J'imagine que c'est un peu pour sensibiliser vos femmes à la beauté naturelle, un peu. Oui, entre autres. C'est sûr qu'en tant qu'organisme éducatif, dans le fond, bien, on croit que c'est important, justement, de savoir... qu'est-ce qu'on consomme, qu'est-ce qu'on se met, pourquoi on se maquille, puis justement d'être au courant de comment c'est composé et tout ça. Donc, c'est ça aussi notre mission, c'est d'être capable, après ça, dans la vie, de faire des choix éclairés puis conscients. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de s'impliquer là-dedans, puis on a fait participer toute la gang de l'édifice parce qu'on est majoritairement des femmes. Donc, c'est aussi une sorte de journée de la femme où est-ce qu'on a vu comment on était belle, pas de maquillage. Donc, vous avez profité pour faire un peu de sensibilisation. Parlez-nous-en un peu, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans le maquillage? Est-ce que c'est quelque chose qui est à éviter ou aujourd'hui, c'est plus nécessairement vrai? Bien, dans les recherches que j'ai faites, c'est sûr que les compagnies à favoriser, ce sont les compagnies qui sont bio, naturelles, bien sûr, parce que ce qu'ils utilisent dans les maquillages, bien, vont être de source plus naturelle pour la peau, plus facile à assimiler. C'est ça, j'essayais de trouver des mauvaises choses sur le maquillage, c'est un petit peu difficile parce que plusieurs compagnies maintenant font des efforts. Les fonds de teint souvent sont quand même corrects pour la peau, mais dépendamment encore du budget qu'on a. Mais reste que ce qu'on a découvert aussi dans le rouge à lèvres, par exemple, c'est qu'ils disaient que les femmes qui se mettent du rouge à lèvres, ben en mangent un par année. Donc, c'était peut-être important de savoir comment c'était composé. Donc, beaucoup de substances animales, végétales, du pétrole, toutes sortes de matières qu'on n'est pas nécessairement au courant. Donc, c'est important de juste être au courant. Puis, dites-moi rapidement, qu'est-ce que ça a été la réaction de vos apprenantes? Est-ce que tout le monde a participé? Est-ce que ça a été un défi facile pour certaines, plus difficile pour d'autres? Ça a été un défi. Même s'il y en a des filles qui se maquillaient pas nécessairement, c'était quand même un défi, juste la photo, par exemple, parce qu'on voulait immortaliser ce moment. Puis, ben pour celles qui se maquillent habituellement, c'était un grand défi. C'était très difficile de montrer ses cernes. Mais c'est là qu'on a vu comment que les filles étaient belles, en fait. Ben oui, c'est un beau défi. Ben, je vous remercie, Mme Carrière. Oui, ben merci aussi. Alors voilà, on vous rappelle que vous êtes très belles, nos femmes, au naturel. Et c'était Émilie Charon-Pilote en compagnie de Émilie Carrière pour la chronique communautaire. Maintenant sport et encore une fois notre gars des sports François Croteau qui est avec nous. François, si la tendance se maintient, on devrait en fait peut-être avoir un été cette année encore. Et qui dit été dit soccer, une équipe, le FC Gatineau qui devrait commence sa saison en fin de semaine. Oui, effectivement, le FC Gatineau qui évolue dans la Ligue première du Québec, une équipe semi-professionnelle. Dirigé par Josie René Madelonnet et Guy Girard,
Alors, effectivement, dimanche après-midi, à compter de 16 heures, ils seront en action, mais à Blainville. Premier match local, c'est le 10 mai au stade de Montbleu. Écoutez, il y a 7 équipes dans la Ligue. Outre, naturellement, le FC Outaouais, ce sont des équipes de la région de Montréal. Alors, au moins là, pour le voyagement première année, ça ne sera pas si pire, si on peut dire. Il y a quelques joueurs de calibre là, qui ont joint l'équipe, notamment les frères Chiepella, Anthony et Casper, qui ont évolué en Europe. Et puis là, ils sont bien contents de pouvoir revenir jouer ici. On sait qu'ils sont originaires de Hull. Il y a Vedran Foustar aussi, qui a été qui a gagné le titre de soulier d'argent dans la Ligue de soccer. Et un Gatinois aussi, Samuel Maheu. Alors, quand même, une équipe là, qui présente de bons noms. Et puis, c'est une équipe un peu avec un accent un peu international. Il y a des Serbes, des Français, des Algériens, des Québécois et un Burkinabé. Donc, il y a quelques semaines, on avait parlé de l'entraîneur. Donc, ça a été annoncé et on commence là, notre saison en fin de semaine. Effectivement. On change complètement de domaine. En fait, on parle, oui, d'un sport de plus en plus considéré comme un sport, le cheerleading. Et c'est une équipe, en fait, de nouvelles frontières là, qui a remporté pas un, mais deux championnats. Effectivement, l'arsenal de nouvelles frontières a réussi un doublé au niveau provincial. La compétition s'est tenue samedi le 20 avril et les deux équipes de cheerleading ont remporté le championnat. Ça se déroulait au centre sportif Claude Robillard. Les deux performances, là, ça a été remarquable. Pour l'équipe senior, ils ont gagné par une avance de 14 points. Et les juniors, ce qu'on appelle l'équipe des petites, là, de niveau 2, a réussi à passer devant 8 équipes pour se tailler une place au premier rang. Alors, ce que ça leur permet de faire, ils se sont classés pour aller au championnat canadien qui va se dérouler à Niagara Falls du 10 au 12 mai prochain. Alors, on les félicite et on leur souhaite bonne chance au niveau national. Tout à fait. Un policier qui a marqué beaucoup la région de l'Outaouais et qui s'est en allé par la suite à Montréal, à Boston. On parle évidemment de Pat Burns qui est décédé malheureusement trop tôt, il y a quelques années. Et on vient de sortir sa biographie. Effectivement, c'était écrit par une journaliste du Toronto Star, Rosie DiMano. Le titre du livre, c'est « Coach de Pat Burns Story ». C'est disponible aussi naturellement en français. « Pat Burns, l'homme qui voulait gagner ». Alors, c'est un livre, moi, je le recommande à tout le monde parce que, écoutez, le lancement a eu lieu lundi ou mardi cette semaine. Et Jason Burns, son fils, lui-même dit qu'au niveau hockey, il y a des anecdotes, naturellement. Dans ça, l'auteur a rencontré beaucoup de gens qui ont côtoyé Pat pendant de nombreuses années et que lui-même a appris beaucoup de choses sur le coaching puis ce qui pouvait se passer entre son père, les joueurs, la direction du club. Alors, c'est intéressant à ce niveau-là. Je pense que c'est un incontournable au niveau d'une lecture parce que même si l'été s'en vient, il va pleuvoir, c'est sûr. Tout à fait. Et comme Marc Brassard le soulignait aussi, il y a un autre volet à ça, c'est que lorsqu'il est décédé en 2010, la ville de Gatineau avait promis d'instaurer une fondation à son nom pour remettre à chaque année un prix aux bénévoles qui se sera le plus distingué là, au niveau du sport amateur. Et on attend toujours le 25 000. Il semble que le conseil d'administration a de la misère à se réunir, selon Jason Burns. Il n'y a pas eu une seule réunion, je pense. Oui, effectivement. Donc, il y a quelque chose à vérifier de ce côté-là. Et même Marc soulignait que les Olympiques avaient promis de faire une levée de fonds annuelle. Et ça, il n'y a rien eu encore depuis 3 ans. Donc, c'est un dossier, là, je pense, que les gens et de Gatineau et des Olympiques de Gatineau, il y a peut-être un petit effort à faire de ce côté-là. Tout à fait. On parle maintenant vélo. On s'en va du côté du lac Simon, le tour du lac Simon. C'est à la fin mai, mais c'est déjà le temps de s'inscrire. Oui, effectivement. Et on sait que ça grossit là, d'année en année. Très beau, très bon succès. Et il faut dire aussi que c'est dans une région magnifique. Oui, tout à fait. Et ce qui fait le bonheur, c'est que ce n'est pas une course uniquement de performance, c'est que c'est ouvert à tous les calibres, autant si vous êtes novice ou débutant, ou si vous êtes expert. Il y a il y a un 104 km, il y a un 57 km, pour la famille, il y a un 17 km. Les prix sont quand même très abordables, c'est 35 $ pour les adultes, 15 $ pour les enfants de 16 ans et moins, et il y a un passeport familial, deux adultes, deux enfants, à 80 $. Et
Cette année, il y a deux circuits. Le 1er juin, il y a un départ de Papineauville. Et le 2 juin, le départ se fait de Chénéville. Et là, il y a différentes courses. Et on greffe à ça, naturellement. Le soir, il y a des spectacles. Il va y avoir de la boxe avec le club, là, de, un gala de boxe organisé avec le club de Saint-André-Alvin. Avelin, pardon. Oui, oui, oui. Et il y a une compétition de ballon volant aussi qui se déroule. Alors, si vous voulez avoir plus d'informations, site web www.jour-jbmr.com. Alors, tout est là. Voilà. Gala Méritants, c'était hier, ça s'est passé hier, et on a souligné la performance de plusieurs athlètes de Gatineau. Oui, effectivement. Ben, disons que c'est parrainé par la ville de Gatineau, justement. Il y avait 49 finalistes dans les 5 secteurs de la ville. J'en ai retenu quelques-unes. Ben, il faut souligner là, quand même Camélie Boisvenu qui a gagné le titre d'athlète par excellence au niveau international. Elle est âgée de 16 ans, elle est présentement 5e au monde en karaté, alors c'est pas peu dire. Elle a gagné le titre Panam Junior chez les 14-15 ans. Elle a gagné l'Omnium des États-Unis. Elle est présentement là, à Puerto Vallarta au Mexique pour une compétition. Alors, félicitations. Il faut souligner aussi certains au niveau athlète national en escrime, c'est Philippe Heidecker qui a eu le titre. Ski de fond, Sophie Carrier-Laforte, on sait qu'elle est allée là, au championnat canadien. Geneviève Corrigan en athlétisme. Sport d'équipe, c'est Karaté Baudouin, excellente école. Et il faut souligner aussi le travail de Michel Bérubé en natation. Alors, félicitations à tous ces gens. On parle maintenant de boxe parce que, ben, en fait, il y a Éric Thibault qui a subi un accident d'auto la semaine dernière. Et on sait que Gaëtan Hart a été là pour l'appuyer. Oui, effectivement. Si on se reporte là, au dernier combat entre Dino Clavet et Gaëtan Hart, ben, c'est l'idée d'Éric Thibault, justement, d'organiser cela. Et il avait dit à Gaëtan, ben, moi, je vais t'entraîner puis tu vas voir, tu n'auras pas de problème. Et là, ce qui est arrivé, bien, c'est que jeudi dernier, il a été impliqué, je suis sûr qu'il l'a entendu, là, il y a eu une collision face à face sur le boulevard Maloney. Et là, maintenant, c'est Gaëtan Hart qui lui donne un support. excusez-moi. Oui, allez-y. Ah. Alors, on va souhaiter à Gaëtan Hart et surtout à Éric Thibault, là, prompt rétablissement dans tout ça. Une autre histoire de courage, François, le temps que vous preniez votre souffle. Ben oui. On parle d'Alexis Guimond, qui sort du coma pour s'en aller à un camp de développement. Effectivement, c'est un jeune de 13 ans qui, il y a 21 mois, a eu un accident, un AVC, en vélo de montagne. Le jeune a passé 3 jours dans le coma. Les médecins avaient dit qu'il ne marcherait plus et il ne parlait plus même. Et lorsqu'il a vu le médecin arriver avec une chaise roulante, c'est là qu'il y a eu un déblocage. Et il s'est réhabilité et là, il va participer aux Jeux du Canada en février 2011. Il sera skieur, naturellement, para-alpin. Il sera à Sunshine dans les Rocheuses du 23 au 28 avril. Voilà. Écoutez, pendant qu'on vous apporte un verre d'eau, question de reprendre votre souffle. François, j'ai envie qu'on parle en terminant d'hockey. On sait que c'est le directeur général des Mustangs. Si on vous nommait directeur général des Canadiens, comment vous réagiriez avec la performance de votre équipe actuellement? C'est sûr que c'est un peu décevant. Sauf qu'il faut comprendre une chose, là. Comme l'a dit Sébastien, notre technicien hors d'onde, ben, il n'y a personne qui les voyait là cette année. Cependant, là, ils ont une victoire dans leurs 6 dernières parties et là, tout le monde panique. Mais Boston, là, il n'a pas fait mieux qu'eux autres, là, parce que l'écart ne s'est pas creusé encore. Je comprends, Boston, il reste 3 matchs à jouer, le Canadien 1. Moi, je pense, ma théorie, il y a plusieurs joueurs qui sont blessés dans l'équipe. Et on attend justement les séries éliminatoires pour y aller à fond de train. Il aurait peut-être fallu aller chercher un peu de robustesse lors de la période des échanges. Parce que le problème, oui, on a Brandon Prost, mais lui, il est blessé. Il a une demi-séparation à l'épaule, donc c'est embêtant. Mais le plus gros point d'interrogation, moi, je pense, c'est Carey Price. Oui. Et si on se souvient bien, la dernière fois que le Canadien s'était rendu loin en série, ben c'est Yaroslav Halak qui était dans voilà. François, écoutez, on va suivre ça de très près. Merci, reprenez votre souffle. Ouais. Alors, on complète notre émission pour aujourd'hui. Mon nom est Michel Pilote, au nom de toute l'équipe. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. On se revoit mardi prochain.